est bien joué. 15-0. L'œil de Claude Lelouch. Avec madame. Ah oui, mais le coup droit est très bon. Il est vraiment très efficace, surtout court croisé. Bien joué. Ça s'envers un petit peu. Et construire davantage ses attaques. Il avait la possibilité pourtant de conclure Martina Navratilova. Elle a vraiment gagné son set. Oui, c'est mérité. Après 34 minutes de jeu, mademoiselle Zvereva, 17 ans, remporte le premier set, 6-3. Elle était dedans. 6 jeux à 3. Thomas au service, second set, balle 9. Un petit coucher de balle qui tout. Que fait la confiance. Oh là là, c'est sans bavure. Alors là, vraiment, c'est étonnant. Thank you.
Voilà un point important. Vraisemblablement la fin de ce match, s'il n'est pas terminé avant. Elle joue remarquablement bien. Et nous sommes donc dans la quatrième manche où Agassi mène 2-0. Et 13 l'écart dans ce début de quatrième set. Il a été très offensif. Agassi qui mène donc 3-0 dans cette quatrième manche. Agassi qui n'avait pas entendu le juge de ligne annoncer la balle faute et qui aussitôt se précipitait pour montrer la marque. Une partie qui a débuté ovationne. André Agassi, la coqueluche de Roland Garros. Pires Roldan qui s'est défait du numéro 2 mondial, le Suédois Stefan Edberg. Agassi venant de battre sous vos yeux le Suédois Gustafsson en 4 manches. 6-4, 6-4. Pendant que l'on arrose le court pour faire un brin de toilette, je vous propose de marquer une pause, le temps d'un écran publicitaire. C'est tellement surprenant comment il joue, la manière. Et puis terminer surtout un quatrième set comme ça, il y a quand même un effort physique, 4-7.
fait, on peut être un peu émoussé. Et on l'a vu, tout plongé de l'accélération. Effectivement, Pérez Roldán, qui est un petit peu une des révélations de cette année. Impressionnant, cet Argentin. Impressionnant ce matin face à vous avez pu le suivre sur la croix. Il va se retrouver très très proche des tout premiers. Ben, il est 30e. Il a réussi à passer une performance, car je me rappelle l'avoir croisé en compagnie de son ami. Je disais, après avoir été mené 5-2 dans le 5e set et avoir été très proche à 30 partout à un moment, avec une nouvelle façon pour Bobo, le match dans la raquette, on va voir aussi. Le grand coup droit, ce coup droit fantastique d'Agenor qui est sa force. Un jeu de jambes tout à fait parfait, très rapide. Donc les deux joueurs ont une couverture de terrain assez exceptionnelle. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à la notoriété limitée de Ronald Agenor. Il faut voir un tennisman très professionnel, très consciencieux, qui est en pleine progression. Il n'a pas les places par le paquet de 50, 60 joueurs. Ronald l'a battu à Rome. C'est un match plus indécis et plus équilibré qu'il n'y paraît au prime abord, mais c'est le jeu qui a... Voilà, Jean-Philippe Merlet vous a tout dit, vous a présenté les deux joueurs. Deux joueurs sympathiques, c'est dur.